C'est pas... Ouais, ça enregistre, c'est bon. Chill. Allez, donc on est sur une séance de sac instantané, donc on peut le faire comme j'ai mis sur les mails hein, pour du cas sans sac. Alors c'est plus rigolo avec sac quand même. Donc on va être sur une séance beaucoup moins physique hein, que ce qu'on a fait il y a 3 semaines. Hein. C'est plutôt une séance un peu plus technique et voir vraiment, c'est plutôt l'intérêt du sac. L'intérêt du sac hein, qu'on va avoir pour s'entraîner, c'est que ça se rapproche quand même le plus possible hein, de ce qu'on peut faire en club à deux. C'est-à-dire qu'il y a, quand on fait un coup, il y a un peu de contact, donc il y a une idée de distance et il y a une idée surtout d'interaction. Et si on est très technique, rapide, puissant, qu'on a toutes les meilleures qualités du monde, mais si en distance, on ne voit pas une bille, ben soit on tape, on est trop près et on n'est pas efficace, soit on tape de trop loin et on n'est pas efficace parce qu'on ne touche pas. Donc le sac, c'est important, au moins pour ça, pour pouvoir avoir on va dire, une sensation de contact et voir si on est bien placé ou pas. Donc on va essayer de beaucoup jouer là-dessus. Quand on est sur du shadow, on va en faire un peu tout à l'heure quand même, mais il n'y a pas d'idée de distance, donc on peut taper dans le vide sans que ce soit forcément efficace. Mais là, si on fait un shadow d'un petit peu inerte et qu'on mélange des crochets avec des circulaires par exemple, il ne faut pas se planter en se décalant. Et c'est ce qu'on va essayer de faire justement là pour avoir l'intérêt du sac. On va se faire un petit échauffement, on va dire assez peu intense encore une fois. Et on démarrera un petit peu plus vite sur la partie sac. Là, ce qu'on peut faire pour démarrer pendant 3 minutes, ce que je vous propose, c'est un petit shadows. Alors, qui peut se faire vraiment en shadows ou même sur le sac, mais volontairement, moi, je vais le faire sur le sac sans gants. Juste comme ça, pour vraiment pas qu'il y ait de contact du tout. Le but n'est pas de taper, c'est d'avoir, on va dire, un petit système de cible. Un petit système de cible, mais vraiment à la cool. De toute façon, si on tape trop fort sur un sac, hein, ce n'est pas bon pour les articulations, on se fait mal. Il faut vraiment que ce soit hyper souple. On peut mettre un petit peu de vitesse si on veut, mais le but est vraiment de monter le cœur et de commencer à échauffer les premières articulations. Donc, ce qu'on va faire sur le sac ou dans le vide, ça va être majoritairement évidemment le haut du corps et éventuellement un petit peu de low kick si on veut, mais vraiment en souplesse et ça va être très individuel. Moi, je vais monter un petit peu les jambes, mais je ne vais pas monter au-dessus du corps. Si vous sentez que c'est un petit peu trop dur pour l'instant et que vous avez besoin de plus de vous échauffer, vous restez plus bas, vous accélérez à votre rythme. Mais on est sur 3 minutes. Une petite partie au sac, tranquille. Je vous laisse vous préparer. 3 minutes. Et c'est vraiment, voilà, c'est pour monter le cœur. Hein. C'est pas pour taper fort ou pour faire autre chose. Je monte juste mon son un peu plus. Voilà. Allez, 3 minutes. Préparez-vous. C'est parti. 3 minutes au sac. Hyper cool.
Mon truc a dû sonner, je ne l'ai pas entendu, mais il n'y a pas très longtemps. On complète un petit peu cet échauffement articulaire, la tête, tranquillement. En montant des 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gauche, droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, épaule vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les jambes sont serrées tendues, on tourne les genoux. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens encore. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire une dernière. Une séance, une série de pompes et une série de flexions. On va faire 20 pompes. Je vous laisse essayer de les faire à vitesse moyenne. Le but n'est pas de les faire vite. Ce n'est pas de les faire non plus très lentement, parce que mine de rien, c'est plus dur à lentement que rapide. Vous les faites à une vitesse moyenne, mais dans l'idéal, si vous sentez que physiquement, ça va à peu près, il faut essayer de descendre vraiment le plus bas possible pour vraiment que les muscles soient sollicités au maximum dans leur longueur. Donc, il n'y a pas de temps, je ne vais pas compter, vous les faites à votre vitesse. Si vous sentez qu'à 18 ou à 15, c'est un peu dur, ben vous n'en faites que 15 ou 18, ce n'est pas grave. Donc, si vous cherchez à bien descendre le plus possible à fond, on remonte tranquillement. Si c'est un peu trop dur, normalement, on peut accélérer pour remonter plus vite, c'est plus facile. Et on fera la même sur les flexions. 20 pompes, 20 flexions en autonomie, en amplitude maximale, en tout cas pour les pompes. Allez, vous les faites librement, puis dès que c'est bon, vous vous relevez. En tout cas pour les pompes. C'est parti. Voilà, moi je suis à 15, ça commence à tirer un petit peu, donc je ne vais pas forcer plus que ça. Si toi tu sens que ça va à peu près, Lucas, tu peux en faire un petit peu plus. Et voilà, c'est pour terminer l'échauffement, puis commencer à ce que ça bouge un petit peu plus, sachant que normalement on doit être en très légère sudation après le sac. Les flexions, la même, on essaie de descendre, alors pas forcément en flexion complète, en squat complet ici, mais on peut descendre en faire un intermédiaire entre ce qu'on fait d'habitude. On ne descend pas ici, on descend un petit peu plus bas, pareil. Soufflez bien. Tente bien, Lucas, ton dos. Ton dos, il ne bouge pas. Il ne faut pas que je te vois comme ça quand tu te relèves. On regarde en l'air. Et on pousse 20 fois en autonomie. C'est parti. On inspire en descendant. On expire en remontant. T'es un tout petit peu trop large, Lucas. Resserre un tout petit peu les jambes. Voilà. Pas compter, mais on va en mettre à peu près.
On va faire un premier étirement. Voilà, on va dire un premier étirement de, voilà, de sensibilisation à la cool. Hein. On maintient son mouvement sans forcer. Et les premiers rounds que l'on fera au sac, de toute façon, on les fera au point. On incorporera les jambes petit à petit. Changer de côté. On est sur un compou moyen, pas trop bas. Dès que ça tire un tout petit peu, on remonte un poil et on maintient. Et on redresse. Est-ce que tu as une chaise, toi, Anthony, qui n'est pas trop loin, ou un truc où tu puisses poser la jambe? Comme ça, là. Je ne sais pas si tu vois, moi, j'ai un vélo d'appart. Je pose mon pied dessus, là, comme ça. Voilà, si vous avez un truc à mi-hauteur, je pose ma jambe dessus. Là, j'ai aucune douleur dessus. Ça peut être un canapé si on a les pieds propres pour Ika. Voilà. Puis là, on essaie de descendre, mais vraiment à la cool. Là, ça tire un tout petit peu. Je tiens. J'ai une petite douleur dans le dos, donc je ne vais surtout pas forcer dessus. On essaie, voilà, de ne pas s'arrondir. Le menton est loin devant. On va faire la même chose sur le côté. Là, je me tourne un petit peu sur le côté. C'est mon bras opposé qui va aller de haut en bas. Et là, dès que ça tire un tout petit peu, hein, c'est sur le côté généralement du buste que ça tire le plus. On tient. 7-8 secondes. Et on relâche. On passe de l'autre côté. On place doucement. On s'incline tranquillou. Dès que ça tire un petit peu, on ne force surtout pas, on tient. Bascule sur le côté, le bras qui nous gêne, hop, on le cache, on lève la main opposée à la jambe qui est devant, on bascule tranquillement. Hop, et que ça tire trop, on ne force pas. Et relâche. On pose. Là, ce que l'on va faire, il est quelle heure? 18, ça fait un petit peu tôt. Ça fait un petit peu tôt. On va faire un premier round avant de couper, parce qu'il faudra qu'on coupe deux fois, sinon ça va être embêtant. Vous pouvez mettre vos bandes hein, tout de suite, si jamais tu en as, toi, Anthony. Et je sais que tu en as. Et toi, Lucas, qui n'en a pas, bah, tu fais semblant. Tu fais du R-band. Tu connais le R-band, Lucas? Est-ce que tu connais le R-guitare? Mais pas leur guitare. Leur guitare, c'est des gens qui font de la guitare, mais sans guitare. Alors, je vais te montrer. Ok. Regarde, leur guitare, c'est ça, là. Là. J'ai une guitare, mais j'en ai pas. Ça s'appelle le air guitare. Mais toi, tu peux faire du air band. Parce que tu n'as pas de bande, donc tu peux faire semblant de les mettre. Ou pas, hein. C'est une blague, hein, Lucas. Et quand on fait du R quelque chose, c'est quand on n'a pas quelque chose, mais qu'on doit faire semblant de le faire. Voilà, je fais du R coiffure, là. Toi, j'ai plus de cheveux. Et tu vois, là, je fais semblant de me coiffer parce que j'ai plus de cheveux. Voilà. Alors, c'est pour meubler, hein. C'est des petites blagues, hein, le temps qu'on mette nos bandes. Hop. Donc là, le premier round, on va le faire au sac. On va alterner round au sac et étirement après. Donc encore une fois, pour incorporer les jambes petit à petit aux enchaînements que l'on va faire. Donc là, le premier exercice que l'on va faire au sac, ça va durer 2 minutes. Alors, c'est que des exercices techniques qui vont être qui sont simples, mais c'est pour bien comprendre l'utilisation du sac. Là, moi, ce que je veux, c'est qu'on utilise que les coups de poing directs au sac.
le but de ça. Alors toi, Lucas, tu peux très bien le faire si tu veux. Alors tu fais attention, mais sur un. Que je vois là que tu as un petit fauteuil ordinateur là. Eh bien, tu peux très bien le faire sur un petit fauteuil ordinateur si tu mets tes gants. Parce qu'il peut y avoir une petite. Alors tu demandes à tes parents avant, mais il peut y avoir une petite interaction quand tu vas toucher ton. Quand tu vas toucher ton. Le fauteuil, normalement, ça va bouger un petit peu. Ah, mais toi, ce n'est pas un sac que tu as, c'est vrai, Anthony. Toi, ce n'est pas un sac, c'est un pied. C'est un truc qui est fixe. Le tien, il ne bouge pas. Ah, c'est vrai, putain, j'avais prévu de faire un truc. Bah, il bouge à l'inverse de toi. Si je frappe là, il va pouvoir bouger un peu. Alors qu'au pied, il ne bougera pas. Ouais, c'est ça, il ne va pas. Si jamais parce j'ai. Toi, c'est comme... Par exemple, il faut que ça bouge. Ça là, le tien, il ne pourra pas. Bah, pas trop. Ouais, d'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ah merde, zut, parce que j'avais prévu un truc comme ça à un moment. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Là, le premier exercice qui va être, ça va être bah, justement, en fait, je voulais jouer là-dessus sur quasiment tout. C'est-à-dire de jouer sur la puissance, enfin pas sur la puissance, mais sur la mobilité en fait, du sac pour travailler sa distance. Là, moi, ce que je veux, c'est voir uniquement des coups de poing directs pendant 2 minutes et qu'on ne s'occupe que de ça. À savoir, il faut que le coup de poing soit bien fait techniquement, mais il doit surtout être bien fait en termes de distance. C'est-à-dire que lorsque je fais mon coup de poing direct, si je fais mon direct avant, là, pour moi, là, c'est le droit, là, ben, lorsque j'arrive, mon bras, il est tendu ou quasiment tendu et j'ai placé ma hanche. Si j'ai un tout petit peu de recul, j'enlève mon bras pour vous montrer, mais si j'ai mon bras est un tout petit peu plié, mais que ma hanche est bien placée, c'est bon aussi. Ça veut dire que je garde, on va dire, 10 cm de puissance et d'allonge, si besoin. Vous pouvez mixer à la fois donc, ce petit système-là en gardant un tout petit peu de recul, mais à la fois vous dire, ben, je vais taper en pleine amplitude, et puis là, être vraiment tendu. Tout dépend de ce qu'il va y avoir derrière. Mais quand on est au sac, ça c'est le plus important, c'est être vraiment bien sur sa distance. Il faut faire attention quand on envoie les deux en même temps, enfin en alternance, parce que forcément, si on ne bouge pas du tout, et là, il se peut que celui-là, je suis à peu près à distance, mais sur celui-là, là, je vois que je ne le suis pas. Ou alors, il faut vraiment que je pousse à la fin et c'est un peu compliqué. Donc là, il ne faut pas hésiter, quand j'envoie mon premier direct, à me décaler un tout petit peu pour que mon deuxième soit efficace. C'est ce premier travail-là que je vous propose, qui est tout simple sur un plan technique, mais qui, au niveau de la distance, va être intéressant. Donc toi, Lucas, si tu as un truc qui bouge un petit peu, ben, tu peux faire pareil. Hein. Toi, tu tends le bras et il faut que tu arrives au même impact. Vous voyez que là, quand je tends mon bras avant, ben là, je vais être plus proche que si j'envoie mon direct arrière. Ce qui est normal, hein, vu que j'ai plus d'allonge sur mon direct arrière, mais il faut trouver le bon compromis et arriver en étant. Il faut simuler des coups puissants. Il faut se dire si celui-là, je l'ai mis pleine balle, est-ce que j'aurais été embêté ou pas? Est-ce que je ne suis pas trop près ou trop loin? Allez, 2 minutes, je ne parle plus, je vous laisse faire. Moi, je vais faire un petit peu et après, je vais vous regarder. Top, c'est parti. Oh. Attention, ne pas avoir le bras trop plié, surtout sur le bras arrière. Il ne faut pas que le bras soit trop plié. Alors, on peut alterner avant-arrière, avant-avant, arrière-avant. On peut alterner les niveaux, hein, le corps, la tête.
Et tout ça va changer un petit peu forcément la manière dont vos jambes vont bouger. Donc ça va jouer sur la distance. Ah, fais gaffe, il est un tout petit peu court, Anthony. J'ai l'impression ton bras droit. J'ai l'impression quand tu tapes ton bras, il est ton bras arrière là. Boum, j'ai l'impression qu'il est vachement plié quand même. Voilà, là c'est bon. Ouais. Là c'est bon, il est même presque trop. Moi je l'ai vu plein de fois tout à l'heure, un petit peu trop. Toi, je voyais bien l'angle du bras. On était limite en crochet, quoi. Limite, limite. Boum. Ouais, c'était un peu plus que ça, même, je crois. Je crois que j'ai vu deux, trois fois un petit peu plus. Vous voulez boire un petit coup? Toi, ça va ou pas, Lucas? C'est vite fait. Oui, ça va. Ça marche. Ce qu'on fait, on se déconnecte tout de suite. Comme ça, on n'a plus à y revenir. Déconnectez-vous. On passe en étirement, puis on passe sur un deuxième round. Pour moi, j'ai au total, j'ai un tiers à peu près de ton écran qui est rogné sur les deux côtés. J'ai deux bandes comptées comme ça, mais c'est pas. Alors que c'est bizarre, parce que Lucas, je l'ai bien. Je l'ai bien en... Donc toi, tu me vois, c'est l'essentiel. Allez, on étire les jambes et on rajoute les jambes petit à petit sur nos enchaînements. Hop là, on se place, on bouge. Et on appuie directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains au sol. On décolle le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe de l'autre côté. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Décollez le talon. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On redresse. On est on décolle le talon, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non, alors on l'a peut-être fait deux fois celui-là. Ouais. On fléchit, ouais, je pensais à autre chose. On fléchit la jambe arrière, on tend la jambe avant, les deux mains sur le genou. On appuie tranquillement. 1, 2, 3. 9, 10, les deux mains devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe de l'autre côté. Deux mains sur le genou, on maintient doucement et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut reprendre les gants. Et le round suivant, j'avais prévu au total, je ne vous cache pas, 10 rounds sur la journée, là, enfin sur ce qu'on va faire là. 10 rounds différents. Là, on part sur le deuxième. Je pense qu'on aura le temps de les faire. Je vais essayer de parler un petit peu moins. Le deuxième round de là, ça va être lié des coups de pied niveau moyen avec des coups de poing au niveau de la tête. Donc, je ne te cache pas, Anthony, moi, tout ce que j'avais prévu… Ah, je sais pas, oui, ouais, d'accord. Ouais. Tout ce que j'avais prévu, moi, c'était sur un sac où il y a un petit effet de retour quand on met des coups. Peut-être que ça ne va pas être hyper, hyper pertinent avec le poteau que tu as. Mais là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on démarre avec… En fait, qu'on alterne à la fois des phases de poing en direct avec des coups de pied de face et qu'on puisse faire ça en enchaînement. C'est-à-dire mêler deux distances qui sont quasiment les mêmes, mais le fait que le sac bouge un petit peu, ben, ça va complexifier un petit peu le truc. C'est-à-dire... Bah, ça bouge sur les poings, mais pas sur les pieds. Quoi. De quoi tu dis ? Chez moi. Je dis, ça bouge sur les poings, mais pas sur les pieds. Oui, ben c'est ça. Ben, de toute façon, ça va mêler toi. Enfin, toi, ça va mêler un petit peu les deux, mais à l'inférieur. Parce que si jamais, ouais, si jamais ça bouge sur les poings, c'est le haut qui va bouger. Le bas ne va pas trop bouger, j'imagine. Oui. Ouais, donc bon, on va voir. Et là, ce que je veux dans l'idéal, c'est qu'on démarre avec des coups de pied de face, en fait, et qu'on puisse à la fois donc lier ça avec des coups de poing direct, donc à la fois la bonne distance, mais avec le bon temps de réaction. Donc toi, le temps de réaction, tu ne l'auras pas. Parce que ton sac ne bougera pas ou pas beaucoup. Et bah, je veux dire, pour ceux qui ont un sac, mais non, personne n'a de sac à part moi, ce serait après, dans un autre temps, pouvoir le faire en dynamique. C'est-à-dire avec un classique aléatoire. C'est-à-dire que je suis là, puis ben là, quand je vois qu'il avance, je tape. Merde, ben, je suis trop prêt pour le faire. Il faut vraiment jouer sur le fait que lorsque le sac avance, là, j'en vois, là, je me sens bien. Donc là, ce serait dans un autre temps qu'on ne peut pas faire. Ouais. Donc là, que des coups de pied de face et des coups de poing. Direct, donc mêlé à la même distance. Donc, il faut bien faire gaffe aux poings qui vont être un tout petit peu plus courts peut-être que les jambes, mais pas beaucoup. 2 minutes.
minutes. C'est parti. Voilà, toi, Lucas, tu tapes pas fort. Hein. Faut pas que je me fasse gronder par maman parce que tu as cassé le siège. Hein. C'est vraiment hyper cool. Hein. Ça garde, Lucas. Ouais, ton bras arrière, Anthony, essaie d'avancer un petit peu moins que des directs. Hein. Là, moi, je le vois vachement comme ça, là, ton bras arrière. Ouais, c'est que j'ai fait avec le coup de pied arrière. Du coup, je repose devant. Donc là, je peux faire un direct. Ouais. Et sur le bras arrière, enfin qui vient avant, je suis trop court. Ouais. Eh bien, essaie de te concentrer que sur des directs. Coup de pied direct, point direct. Hop là. Alors, le côté intéressant de ça, je ne vous cache pas. Mis à part le fait de le faire au sac, c'est de s'habituer à avoir des stratégies différentes. Si vous êtes très à l'aise avec vos coups de pied de face et vos coups de poing directs, eh bien vous pouvez être capable de combattre, alors c'est la théorie, hein, mais des plus petits gabarits que vous, beaucoup plus facilement. Vous imaginez, moi je prends toujours l'exemple, vous devez combattre Mike Tyson. Toi qui sais Mike Tyson ou pas, Lucas? Non? Moi, c'est quelqu'un qui fait, il est un peu plus petit que moi, mais il a des bras gros comme mes deux cuisses. Réunis à peu près. Il te met un coup, t'es mort. À peu près. Donc, ce genre de gars-là, hein, qui va être petit trapu. Hein, Mike Tyson, il fait 100 kilos, un petit peu plus. Enfin, il faisait 105 kilos pour 1m80. Et il combattait des gars très grands. Et bien, Mike Tyson, il mettait un coup, les mecs tombaient par terre. Donc, on était obligé de faire comme Mohamed Ali. Hein, vraiment tenir à distance le plus loin possible. Donc, avoir les membres le plus tendu possible pour ne pas arriver en corps à corps. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de ça, d'être à l'aise avec ça. Et à aucun moment, il faut essayer de se dire, bah, tiens, je vais faire un direct un petit peu court. Parce que si mon direct, je le fais un peu court, ça veut dire que celui d'en face, peut-être qu'il peut me faire un crochet. Là, on va faire l'exercice exactement inverse. Là, je veux vous voir au sac collé. On démarre, on est collé. Je veux vous voir faire que des crochets ou des uppercuts. Alors, uppercut très court, hein, ne faites pas d'uppercut long. Mais uppercut court, ou même crochet un petit peu long, ce n'est pas gênant. Mais le but... et de se retirer petit à petit du sac pour réussir à placer des coups de pied circulaires. Le but, ce n'est pas d'être au corps et de rester au corps, c'est d'être au corps et de reculer un petit peu. On imagine, on n'a pas le choix que d'être au corps à corps avec quelqu'un. Je n'ai pas le choix, je suis ici, le gars il avance, je suis serré. Là, si je fais mes coups de poing direct, ça ne marche pas, je suis trop près. Donc, il faut que je puisse faire des crochets, des uppercuts, mais je n'ai pas envie de rester parce que lui, il est plus fort que moi. Donc, je fais des petits mouvements rapides, boum, et à la fin, boum, j'ai réussi à reculer, j'ai gagné 20 cm pour placer, alors ça peut être un ou deux coups de pied circulaires. Et le but, c'est de faire des mouvements courts, de reculer un petit peu en même temps. Donc, ce qui va être dur, c'est ça, regardez bien. Ça va vraiment être de faire des petits pas en même temps. Ce que je veux, c'est pas ça, hein. c'est pas je mets des coups, puis tout d'un coup, je recule et je fais un coup de pied dans le vide. C'est à chaque fois que je mets un coup, je bouge, je recule un petit peu. Et quand je me sens suffisamment à l'aise par rapport à mon gabarit, j'envoie mon ou mes coups de pied. Mais vous démarrez bien collé, le front sur le sac ou sur la chaise. Donc attention, c'est un peu plus dur pour la distance. Pivotez bien, sachant que vous pouvez le faire aussi en mode rapide. Si vous pivotez mal sur votre low kick, ça vous fait un point de marqué, mais on sait qu'il y aura moins de dégâts. Allez, 2 minutes,
Top, c'est parti. Essaie d'être collé. Hein, Lucas, tu colles ton front au fauteuil tout le temps. Donc, tu commences à te coller. Voilà. Et tu recules petit à petit. Lucas, je veux des enchaînements, coup de poing et coup de pied. Coup de poing et coup de pied. Ouais. Tranquille. Hein. Tu démarres collé, voilà. Tu recules petit à petit, puis dès que tu es à l'aise, tu touches. Voilà. Encore une fois, sans casser le fauteuil de maman. Seconde. Ah, ça bouge un peu. Alors la suite, je vais parler beaucoup moins, mais ça va être un enchaînement très concret basé exactement là-dessus, sauf que l'enchaînement, je vais vous l'imposer. Vous allez me faire crochet bras arrière, uppercut bras avant et middle jambe avant. C'est quoi déjà un middle? Middle, un coup de pied circulaire moyen. En fait, on croise. Non, c'est moi qui me suis planté. Enfin, c'est avant, arrière, pardon. Arrière, avant, arrière. Ouais. Crochet, uppercut et middle. On va faire l'inverse, pardon. De toute façon, on fera les deux. On va commencer par le premier qui est plus facile. Vous me faites pardon. Dernière fois, crochet avant, uppercut arrière, middle, jambe avant. Voilà. Alors, si la middle, c'est un peu dur, on peut le faire en low kick, c'est plus facile. Mais dans l'idéal, je veux dire, crochet avant, uppercut arrière, middle, jambe avant. Là, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que je vous demande de faire des coups à courte distance et d'enchaîner après à longue distance. Pour ça, vous avez deux solutions. Les deux solutions sont bonnes. La première solution, c'est de vous dire, je veux que tous mes coups touchent et soient puissants. Donc, on sera sur un enchaînement qui sera moins lié et je vais devoir être très prêt. Bam, bam, et je vais devoir vraiment boxer en reculant. Mais le middle sera un petit peu dur à placer. Soit c'est de vous dire, je vais me concentrer plutôt sur le deuxième ou le troisième coup. Donc, on aura plus d'impact sur le deuxième ou le troisième coup. Et donc, la distance sera un peu moins respectée pour les autres, mais on aura plus de puissance. Mais après, c'est un choix stratégique à prendre. C'est pas mauvais, quoi. C'est-à-dire que soit je fais tous mes coups à peu près de la même puissance, mais je serai sur quelque chose d'un petit peu moins lié. Parce que je vais devoir reculer, ça va être compliqué. Ça va ressembler à ça ici. Hein. Là, j'ai mes trois, mais là mon crochet il n'est pas terrible et mon uppercut il est un peu moyen. Je suis plutôt concentré sur ma jambe arrière. Mais sinon, je peux décider à l'inverse de me concentrer vraiment que sur cette jambe arrière là. Et puis du coup, je serai sur un premier qui sera un petit peu mou. J'allais dire, et là j'ai beaucoup plus d'impact sur mon autre. Mais dans tous les cas, ma distance elle est respectée. Mais on doit avoir, on va dire, un semblant de puissance quand même sur premier, deuxième, plus sur le troisième ou alors à peu près voilà, 30% de puissance sur les chaque pour avoir un enchaînement un peu plus lié, fluide, et faire en sorte que chaque coup, s'il touche, ça bouge quand même. Allez, 2 minutes, attention. Top, c'est parti. Je vous regarde pour le début. Voilà, attention aux distances.
attention de ne pas être trop près, Lucas. Allez, pas beaucoup de répit, c'est fait exprès. La même dans l'autre sens. Donc là, attention, techniquement, c'est un peu plus dur. Mais on doit avoir crochet bras arrière, uppercut bras avant et la middle jambe arrière. Donc là, il faut démarrer d'un petit peu moins près pour bien pouvoir passer la jambe. On ne change pas de garde. Tu ne changes pas de garde, tu changes juste l'ordre de l'enchaînement. Tu commences avec le bras arrière. C'est-à-dire que tout à l'heure, moi, j'étais ici, là. Je faisais mon bras avant. Je faisais 1, 2, 3. Là, normalement, quand on recule un tout petit peu, ça passe facilement. Normalement, le vrai enchaînement, ça, c'est un enchaînement que j'ai appris en stage il y a longtemps en kick et en taille. Cet enchaînement-là, il se fait plutôt normalement côté arrière. C'est-à-dire qu'il commence ici en étant à mi-distance, faire un crochet très large, quitte à ce que ça passe pas, c'est pas grave, mais enchaîner tout de suite avec l'uppercut qui passe. Tu vois, en fait, j'oblige le gars qui est là à écarter un petit peu les bras pour bloquer, et c'est au moment où ça touche que j'envoie l'autre. Donc l'important là-dedans, c'est de toucher fort celui-là. Il a surpris, paf, un coup dans le pif, et le middle juste après. Le niveau de la distance, on est un peu court. Donc l'uppercut long, il ne faut pas hésiter à le faire quand on est là, tout de suite, boum, hein, il descend et il monte. Donc il est plus long que si j'étais vraiment en corps à corps. Et tout de suite après, j'envoie le middle jambe arrière, et c'est là où il ne faut pas se rater. Combat, très souvent, on est un petit peu près. Donc là, c'est vraiment le risque à ne pas prendre. C'est la seule grosse complexité technique de ça. Donc là, je démarre ici, là, un petit peu moins près. Un petit peu moins près, oui, c'est ça. 1, 2, et je me place, et là, je suis là, badaboum. Et attention, c'est parti. Thank you.
Commence à chauffer un peu. Ouais. T'as pas tout cassé, Lucas, on est d'accord, hein? Non? Parfait. Allez, la suite. Donc, cet enchaînement-là, il est dur. Attention à ce qu'on a fait. Moi, j'ai voulu faire le malin. J'ai changé de garde à un moment. Et si on ne maîtrise pas tous les coups bien avant, c'est hyper dur à bien placer. Là, pour la suite. Alors, toi, ça bouge un peu quand tu mets les jambes, tu m'as dit, donc c'est bien. Vous allez démarrer avec un coup de pied. Ah, c'est quand tu mets les poings, zut. Ouais, d'accord, ouais. Alors, par bas, si je mets les jambes à la tête, c'est bon, ça bouge aussi. Ah oui, ouais, d'accord, ouais. Eh oui. Non, on va travailler sur autre chose, ça va être trop compliqué. Enfin, pas trop compliqué, mais ça n'aura pas d'utilité. Là, on va juste faire un enchaînement technique un peu plus compliqué. Mais pareil, la distance va être un peu plus simple à faire, mais techniquement, ça se corse un peu. Là, coup de pied de côté, jambe avant, direct avant, crochet arrière. Donc là, on est loin, on reste loin et on se rapproche petit à petit. Ouais, direct du droit. Ouais, crochet gauche. Boum. Ouais, voilà. C'est vraiment un pur enchaînement de sandas. 1, 2, 3. Là, ce qu'il faut, alors ça, normalement, c'est un bout d'enchaînement. On enchaîne normalement avec des coups de pied et on part après en projection. Mais ce qu'il faut, c'est que les trois coups touchent. Donc, pour ça, deux solutions. Soit on va être très fluide et on reste sur une distance de direct à chaque fois, mais on aura des coups un petit peu moins puissants. Soit, pas moins puissant, mais le crochet sera un peu trop large. Soit on se rapproche un petit peu sur le dernier crochet. On aura un direct moins puissant parce qu'on l'aura un petit peu chinté pour se rapprocher et on aura un crochet qui sera par contre plus puissant. Donc à voir ce que vous voulez faire. Mais là-dedans, pareil, hein, tout est bon. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Ça dépend juste de ce qu'on veut faire après. Si on veut faire une projection, il vaut mieux que le crochet soit très efficace. Comme ça, on est proche et on attrape. Hein. Si jamais je veux rester loin, moi je suis plutôt un grand gabarit hein, pour mon poids. Moi, je préfère plutôt le faire de loin, cet enchaînement-là. Moi, je me sentirais plutôt d'être ici. 1, 2, 3. C'est très large, qui passera peut-être pas, mais qui me permettra, moi, après, de ressortir. Si vous voulez plutôt faire une projection après ça, eh ben là, je serai plutôt sur 1, 2, 3. Et là, je suis collé. Pour venir attraper, venir lever. Et mon direct, vous l'avez vu, mon coup de poing direct, il était ici. Il n'était pas efficace, mais c'était dans le but de placer mon crochet et après, de passer en saisie. Donc, tout est bon, tant que c'est ce que vous avez décidé. Hein, c'est important, il ne faut pas que ce soit subi. Il ne faut pas que ce soit subi. Si vous décidez de mettre votre crochet fort et de chinter votre direct, il faut que ce soit vous qui l'ayez décidé et pas que ce soit le sac ou le partenaire qui l'ait décidé. Et c'est là où c'est compliqué. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti.
N'hésitez pas à saisir le sac après ou le... Un tout petit peu, 20 secondes, voilà. Juste pour... quand vous voulez rentrer fort sur le crochet, après on attrape. Voilà. Allez, Lucas. Allez, temps. Soufflez, c'est bon. On va s'en faire quand même un petit dernier. Faut pas être venu pour rien. Allez, le suivant, on est sur 3 minutes. Ces 3 minutes là, moi je vais vous regarder. Je suis malin. C'est libre. Libre au sac. C'est-à-dire que vous devez tenir en compte tout ce qu'on a fait là sur la séance. Vous devez pouvoir enchaîner des poings, des pieds, éventuellement des saisies, et vous sentir à l'aise tout le temps. Quand on fait des coups de pied, on n'est pas trop près. Donc, tous vos coups de pied que vous faites, si c'est voulu de votre part, vous devez bien taper avec la bonne partie de la jambe. C'est-à-dire que les coups de pied circulaires, comme ça, ça n'existe pas. Je suis limite en coup de genou. Chaque coup de pied que vous allez faire, c'est vraiment le dessus du pied ou le bas du tibia. Et vous devez être à l'aise. Vos pieds vous tendent bien. Les coups de poing, c'est pareil. Bien tendu pour les directs. Bien plié pour les crochets et les uppercuts. Alors, en théorie, c'est facile. Après, vu qu'on est sur 3 minutes, forcément, peut-être que la dernière minute 30, elle va piquer un petit peu. Donc, on aura un manque de vigilance. Donc, pensez bien, dès que vous êtes un petit peu crevé, réfléchir à ça. Vous direz, tiens, je vais redescendre un petit peu le régime pour récupérer, mais en travaillant un petit peu plus technique. Puis dès que ça va, on accélère, on faisant gaffe à ces critères. Allez, préparez-vous. 3 dernières minutes. Attention. J'ai chaud pour vous. Top. C'est parti. Allez, tu vois, fais gaffe, Anthony, tu me parais un peu près, moi, sur ton low kick, par exemple. Sauf si tu le sens bien. Et moi, ça me paraît prêt, toi, d'ici là. Celui-là, celui arrière. Ouais. Si jamais tu tiens vraiment à le faire, fais-le, mais sans pivoter. Toi, tu ne pivotes pas et ça va juste être plutôt un coup de pied. Toi, tu vas marquer un point là. Boom, tu vois, j'ai pas pivoté. J'ai tapé en restant presque de face. Ping, okay. C'est un peu qui claque et qui me permet de ressortir. Ouais. Si tu pivotes, tu vas plus loin, toi. Ouais. Allez, Lucas, ta garde. Fauteuil. Toujours là les mains. Boum, voilà. Ah, Lucas, ça baisse. Les mains toujours en haut, elles sont en haut ou tout en haut, au choix. Allez, ses bras, allez, ton bras droit, il descend. Là. Dès que tu fais un coup de pied, tu as un bras qui descend. Là. Je fais un coup de pied, les mains, elles sont en haut, tout le temps, tout le temps. Et après, on tend, puis on ramène. C'est bien, vous avez fait la moitié. Dès que ça tire un peu plus. Travaillons plutôt les parties voilà, difficiles. Allez, 20 secondes, on accélère. On essaie d'accélérer dans ses coudes, pas forcément les enchaînements, mais on souffle un peu et ping, on accélère. Ping, 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 sec. Regarde. Allez, 7 secondes. Allez, 5, continuez. 4, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Allez, soufflez un peu. Allez, retirez vos protections, buvez un petit coup si besoin. Donc là, pareil, hein, Lucas, tu peux faire du airband si tu veux. Hop.
Anthony, je t'ai perdu? Non. Non, c'est bon. C'est pour toi. Mais Pour que tu usines c'est une là fille. que je me dis que je vois qu'on fait plus d'assaut. Ah, dès qu'on met de l'intensité au sac, ça bouge, hein, c'est normal. Peut-être faire un truc progressif pour pas que ce soit trop trop dur d'un coup. Ah, mais c'est bien. Mais c'est plus Ce que facile. je te dis, Sur le c'est sac. là où on voit que on n'a plus les séances d'assaut à la fin de, des cours de Sanda, quoi. Et puis encore, hein, les séances d'assaut, normalement, c'est plus dur que ça. C'est ce qui est Oui, dur. bien sûr. Et ce qui est dur dans une séance d'assaut, c'est qu'on a l'influx nerveux, hein, qui réagit. C'est pas trop Aussi, ouais. c'est la vitesse, c'est faut c'est ce qu'on fait là, on le fait sur le même temps, mais il faut le faire pas quand nous on veut, c'est quand l'adversaire le veut. C'est ça qui est, c'est rester au taquet et réagir que quand on le souhaite en fait. Pour ça que c'est bien de le faire aussi de temps en temps, alors c'est compliqué, mais au sac, quand ça bouge, parce que là c'est pareil, c'est le sac qui décide un petit peu quand on le fait. Alors on le voit, on l'anticipe un peu, mais c'est moins à notre rythme, c'est plus au rythme du sac, au rythme de la personne qui est en face de soi, si on le fait en patte d'ours ou si on avance, on recule, etc. On va se mettre en écart. On va pouvoir descendre normalement pas mal. Hop, on peut poser. Donc là, ce qu'on a fait, c'était une séance type au sac pour travailler vraiment le facteur distance. La première semaine, c'était un travail que moi je faisais global au sac, plutôt pour renforcer, moi c'était mon physique, mais d'une manière globale. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que comme dans n'importe quel exercice, on ne peut pas tout renforcer d'un coup. On ne peut pas, sur le même exercice, et faire de la technique, du physique, du cadrage, de la vitesse, de la puissance, du temps de réaction, etc., etc., etc. On peut tout faire à peu près moyen et puis monter un petit peu tout, mais on ne peut pas, dans une séance où on ne fait que du physique, bosser par exemple sa technique. On peut pas, parce que forcément, on va demander au cœur beaucoup de rendement et on ne pourra pas forcément avoir un mouvement technique identique, hein, sur un gros rendement. Comme si on fait de la technique pure, on a du mal à la faire. On ne peut pas faire du physique sur de la technique. Non, ça va, encore une fois, ça va, la technique ne sera pas bien faite parce qu'on aura voulu faire, on aura voulu avoir d'autres critères. Donc c'est important, ça, quand vous faites vos séances, de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt un cours un petit peu plus cool de technique? Ou alors, est-ce que j'ai envie de me défouler? Je vais faire je vais faire du physique. Et par contre, il faudra être un petit peu moins exigeant sur la distance ou sur le physique. On ne peut pas tout faire sur la même séance, on va dire, sur la totalité de la séance. On peut faire du physique, un round de physique, un round de technique, un round de cadrage, etc., etc. Mais forcément, tout va monter un petit peu moins vite. On ne peut pas le faire au sein du même exercice. Allez, je vous laisse descendre. Sachant qu'après aussi, ce qui est bien, c'est que lorsque vous faites vos séances d'entraînement, n'hésitez pas à vous revoir en Zoom, c'est de vous filmer. Enfin, vous filmer ou vous revoir sur les séances Zoom, parce que moi, je m'entraîne un petit peu en même temps que vous, hein, je ne vous corrige pas forcément toujours en temps réel, mais c'est vraiment de voir, vous, tiens, j'ai fait ça, est-ce que je suis bien conscient de ce que j'ai fait? Donc avec le visuel de la visio, oui, comme son nom l'indique, on peut s'auto-corriger sur certains détails. Sachant que tout ce qui est principe, entre autres, hein, quand je vous dis de monter votre garde tout le temps, c'est quand on fait du physique ou de la technique, souvent c'est impossible. Hein. La garde, avoir une bonne garde, ça s'acquiert en faisant des combats. Ça ne s'acquiert pas en faisant du sac ou en faisant du shadow ou autre chose. Hein. Si on veut avoir une bonne garde, il faut qu'il y ait un danger. Le danger, ça vient en combattant avec l'autre. Donc c'est l'autre qui va nous imposer de monter notre garde, sinon on se prend des coups et on se fait mal. Mais ce n'est pas le sac. Le sac, quand les bras descendent, c'est normal. Hein. Il faut avoir conscience de garder ses bras en haut, mais si ça descend, c'est pas illogique, quoi. Allez, descendez sur une jambe. Ouais, puis en combat, tu as des réflexes aussi sur ta garde que tu n'auras pas. Enfin, des mauvais réflexes justement quand tu vas prendre un middle circulaire, tu peux avoir tendance à baisser ta garde pour essayer de la chasser avec ton bras, ce qu'il ne faudrait pas faire. Ah, ça dépend de ce que tu. Oui, ça dépend si tu veux sortir la jambe ou pas, mais. Oui, c'est ça. Après, ça, c'est des trucs qui se font en full contact, par exemple, en boxe américaine. C'est des trucs qui se font, hein, vu qu'il n'y a pas de saisir. Donc, les mecs, ils font des parades chassées là, sur les coups de pied circulaires pour après enchaîner sur des directs ou sur des machins. Bon, moi, c'est des trucs que j'aime pas trop. Je préfère conditionner les gens à attraper. Et après, encore une fois, il faut que ce soit si vous pensez que c'est une gêne, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Mais des fois, il y a des réflexes qui viennent tout d'un coup. Et si vous dites, tiens, ça ne va pas me déconditionner de le faire. Est-ce que je ne peux pas l'inclure dans une stratégie qui sera propre à cette situation-là, par exemple?
si tu tombes sur un mec qui fait de la boxe française, il va te feinter et te la mettre dans la tête, quoi. À partir du moment où tu baisses ta garde pour. Ah oui, mais ça c'est comme partout, ça. Ce qu'il faut faire, c'est bien faire ta parade. Enfin, après, moi, si on parle de la même, hein, si là, t'es en garde, le mec, il t'envoie un middle, puis tu la chasses en faisant ça, même s'il fait une feinte, si tu veux, il te la mettra dans le bras, quoi. Mais Oui, ça. mais moi je te parle de l'autre côté, par exemple. Tu vas la chasser alors qu'il tape sur ton bras droit. Ouais. Et avec ton bras droit. Non, avec l'autre main. Le réflexe, en fait. De quoi Il te va faire ça? voir. Non, bah oui, mais c'est presque plus un réflexe pour la repousser, quoi, tu vois, que. Parle de quoi? Alors De qu'il voudrait. faire un mouvement comme ça, c'est ça? Non. Je comprends pas ce que tu veux dire alors. Comme ça? De la repousser. Ben, avec l'autre bras. Mais dans l'autre sens. Comme La ça? sortir. Ouais. Ah ben ça, il faut pas par contre. Ça, il faut pas. Eh Parce que ben là, tu fais ça, là tu tapes le. Enfin là, tu te pètes le bras. Là c'est poignet contre. C'est ton poignet ou ta main contre le pied du mec, et tu vas te faire mal par contre. Ah oui, ça c'est pas bien ça. Et tu t'exposes le visage. Ah ben, tu t'exposes et tu te fais mal. Oui, ça là, faut l'enlever là. C'est comme d'arrêter un coup avec sa tête. On peut le faire, mais c'est pas recommandé. Hein. Crois pas que ça soit un arrêt après. Non, mais il y a un. Tu sais que moi j'ai un gamin au club qui m'a dit ça un jour. Il me dit, ah moi les coups, là, je les bloque avec la tête. Puis mec, il mettait des coups de boule dans les. Il cherchait à mettre des coups de boule dans les poings des gamins qui étaient plus petits que lui. Il avait un coup de pied qui venait, le gamin il se tournait, puis il essayait de mettre des coups de tête dans le pied, quoi. Parce que c'était des Il a coups. vu. Et puis il avait pas mal, et puis ben, ça le faisait marrer de faire ça. Je lui disais, non, t'enlèves ça tout de suite. Ça, là, si tu Il fais avait peut-être vu, ça. il avait peut-être vu la vidéo du moine Shaolin qui fait du sanda. Ah, peut-être, ouais. Mec, il Il a arrive jamais vu. dans les gens aussi, non? Ouais, mais le mec, il prend les coups, il fout des. Ah oui, d'accord, mais ouais, Il a. d'accord. Ah oui, ouais. Bah, après, quand t'es Tu vois chez le. eux, ils font, hein, mais les mecs, ils ont des coups comme ça, quoi. Les mecs qui Ouais. font de la boxe anglaise ou les mecs qui font de la boxe thaï, mais les mecs qui sont comme ça, puis c'est des buffles, là, les mecs, c'est des buffles, et je suis pas sûr qu'après tu leur demandes de rédiger trois lignes, ils sachent le faire, mais. Bah ouais, parce qu'après, on peut tout faire, on peut arrêter les coups avec sa tête, hein, c'est sûr. Après, ça dépend ce qu'on veut faire le lendemain aussi, si on a un boulot ou pas, quoi. Hop là, un petit peu les quadrilles, on tire fort. Il y a des gens qui s'entraînent à ça. Moi, je suis pas du tout pour, hein, pour faire de l'endurcissement, pas forcément de ce type, hein, mais moi, j'ai fait des cours, hein, où il fallait s'endurcir les avant-bras, où il fallait s'endurcir. Alors, je sais pas ce que les mecs ils s'endurcissaient, mais on se mettait des middle à tour de rôle. Enfin, pas des gros, mais des petits middle sur 2-3 minutes, et ça, bon, c'est pas agréable. Hein. Mais en faisant ça, bah, si tu bouges pas, comme disait le prof, bah, tu renforces rien. Tu t'habitues à recevoir les coups, mais tu renforces. Là, t'as pas d'abdos. Là, c'est les côtes flottantes et. T'as juste pas la peur de prendre des coups après, peut-être parce que tu sais ce que ça fait comme douleur. Ouais, je sais même pas, hein, parce que tu sais, c'est des petits coups, hein, c'est pas des. L'anticipation du coup puissant, ça c'est bien de le travailler, mais ça se fait sur du pao ou en venant à la rigueur bloqué. Moi je le fais sur les cours compètes, ça par exemple. Les mecs ils ont plastron, ils sont équipés entièrement et ils savent qu'ils vont se prendre un middle plein pot. Mais ils le savent. Donc si jamais ils le bloquent et ils l'attrapent, ils font tomber, ben, c'est bien, mais de toute façon s'ils l'ont bloqué puis attrapé, ben, ils l'ont quand même un petit peu senti dans le bras. Et là, ça te désinhibe un petit peu de recevoir ce genre de coups. Mais sur des petits coups comme ça, progressifs, moi je l'ai vécu et moi je trouve que ça apporte rien. Je trouve. On a bien qu'ils se mettent des coups de pied. Ouais, c'est pas. Après, ça c'est du Qigong, ça c'est autre chose. Ça. Le fond de Qigong, le Ouais, Qigong. mais comment? Voilà. Après, on est dans un domaine que je ne maîtrise pas. Je te laisserai l'approfondir si tu veux, toi, Anthony. Ça va aller. Allez, bon. Allez, on se fait un petit salut. Tchingli. Allez, j'espère que ça a été. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi. Faites attention, ce n'est pas encore sûr, mais je crois que dans 2 semaines, il n'y aura pas cours samedi. Je vais prendre 2, 3 jours de congé pour bouger un petit peu, peut-être sur Nantes ou je ne sais pas où. Et peut-être que jeudi, vendredi, samedi. Ce n'est pas sûr qu'il y ait de cours, mais je vous le redirai. De toute façon, ce sera pendant les vacances scolaires. Il y a bien cours la semaine prochaine.